Mesdames et messieurs, bienvenue dans la meilleure émission qui décortique l'actualité people d'ici et d'ailleurs. Vous êtes bel et bien dans le Fafa, votre émission préférée. Restez bien scotchés dans vos fauteuils parce qu'aujourd'hui, ça va déménager. Recevez votre humble serviteur que je suis, Serge de Fallé, la légende. En compagnie aujourd'hui de Mister Théodule Cabo. Big up Théodule. Alors aujourd'hui, nous avons un invité de taille, un invité très spécial parce que c'est quelqu'un qui a une certaine particularité. Donc restez bien scotchés dans vos fauteuils parce que ça va commencer. Tout à l'heure, dames et messieurs, l'homme que nous recevons aujourd'hui dans le Fafa, il s'appelle Boukari. Boukari. Donc déjà, la salutation, comment on peut se saluer déjà? Oui, en moré là. Ouais, on commence comment? Bon, comme toi, tu ne comprends pas là, sinon c'est... Ouais. Si c'est matin, c'est Nibiru. Maintenant, si c'est le soir? Bon, le soir là, comme tu ne comprends pas seulement, il faut laisser des Nibiru là. Bon, d'accord. Alors, soyez salués ceux qui nous suivent depuis voilà, le Burkina Faso, nos fans, nos invités, soyez voilà. Salués, soyez salués, continuez de partager. Voilà. Ouais. On va essayer de laisser des Nibiru. Mais Boukari, dis-nous, bon, aujourd'hui, c'est vrai, on te connaît dans cette manière de parler, dans ce art que tu développes assez rapidement, comme du côté de nos frères du Burkina. Oui. Mais d'abord, au-delà de ça, tu es originaire d'où? Comme je le dis toujours, je suis originaire d'Oumé. Oumé, Djegounefla. La ville de Djegounefla, c'est la ville de Djegounefla. Aujourd'hui, c'est devenu sous-préfecture, mairie, il y a tout. Il y a hôtel, il y a marché, il y a chambre climatisée, il y a courant, il y a tout là-bas, à Djegounefla, là. Il y a tout. Mais comment maintenant, tu développes ce cet art? Maintenant, mon père, il vient de Bokeda. Ma mère, il vient de Gomeneda. Ils se sont encouragés au Carrefour. Puis voilà, on n'a qu'à penser, maintenant, on va faire boucler. Ouais. C'est ça, moi, j'ai là. Ah, ça? Donc, c'est le croisement, là. C'est-à-dire, mais ils sont tamponnés. Tension, même. Hein? Ah, bah, ça fait fourre-fourre, même. C'est pour que moi, il vienne là. Fourre-fourre, puis maintenant, il est venu. Voilà, il est devenu maintenant. Voilà. Donc, à l'état civil, c'est quoi avant d'être Boukari? À l'état civil, c'est Gilles Kakou Romuald, comme français. Gilles Kakou Romuald. Tout à l'heure, tu m'as appelé Romuald. Et t'es dit non? Apparemment, tu te connais depuis belle lurette. Elle me connaît dans cette belle lurette. Quand tu as dit à moi, tu as dit Romuald, tu as dit. J'ai dit, c'est les anciens. C'est les anciens qui connaissent. C'est les anciens qui peuvent dire Romuald. Ça va? Oui, ça va, par la grâce de Dieu. On se souvient qu'une fois sur un plateau télé, j'étais très ému quand tu as eu une visite de ton grand-père. Oui. J'étais très attaché à toi. Oui. Est-ce que Pépé il va bien? Oui, ça va, ça va. C'est avec l'âge, il est un peu fatigué, mais ça va. Mais il ça est va. Là. Oui, il est là. Alhamdoulaye. Important, donc, il est là. On peut va. Le dire, Alhamdoulaye. Oui, Alhamdoulaye, il est là. En tout cas, Dieu nous donne encore la chance de voir et de prendre. Enfin, il est là. C'est notre. Aujourd'hui même, c'est un des plus vieux même du village. Ah, d'accord. Ouais. Ok. Tu es marié? Non, célibataire. Tu es célibataire. Célibataire, mais c'est pas un cœur à prendre. Tu as des enfants? Oui, j'ai des enfants. Combien? Non, j'aime pas. Aujourd'hui, là, j'aime pas donner le nombre de mes enfants. C'est pas une concurrence. Mais pourquoi? Ah bon? Pourquoi? Non, ils préfèrent laisser de la dîme. Non, mais on s'est inspiré de quelque chose. On a vu que. Non. On s'est renseigné. Hein? On s'est renseigné. Tu en as 7. On est au courant. Hein? Tu confirmes, non? Tu en as 7. J'en ai beaucoup. J'en ai 7. J'en ai beaucoup. Ou bien c'est quoi? C'est une concurrence avec papa? Parce que non, pas du tout. Vous pas étiez 14. Hein? Donc, 14 frères et sœurs. Donc là, toi, tu as fait la moitié. Toi, tu as fait la moitié. Il reste encore. Non, c'est fini. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Il faut que je puisse m'occuper de toutes ces questions-là. Et puis voilà, il faut réaliser. Enfin, ils ont des rêves. Et tes enfants, ils sont où? Ils sont avec toi? Oui, ils sont avec moi. Ils sont avec moi. Il y a que ma fille qui est en France avec sa maman. Mais ça va. Tu as un bébé? Quoi donc? Des enfants, oui. Oui, tu as une fille. Ils sont deux enfants, c'est ça? Non, une. Il y a une là-bas? Ah, ok, d'accord. Ce que je voulais te demander simplement. Oui, parce que, bon, là, tu as 5 enfants. Après, moi, j'ai 17. Hein. Je sais que tu vas me confirmer après. Mais là,
Les premiers 5 enfants, là, c'est avec une autre femme que tu as eue ou bien c'est la même maman? Non, en fait, comme je l'ai dit, là, ça, c'est la vie privée. Oui, oui. Voilà, donc je ne vais pas exposer ma famille. Non, c'est pas exposé. Aujourd'hui, on connaît ta force, tu es un bon humoriste, tout et tout, mais on peut parler un peu de temps en temps de ta vie privée. Tout à l'heure, on a parlé du grand-père, tu étais d'accord? Oui, quand on rentre dedans, tu commences à changer, non, tu veux réguler. Non, je ne les quille pas, au fait, c'est les enfants. Je ne vais pas les exposer, je ne vais pas exposer. Ouais, non, tu ne les exposes pas, on voulait juste connaître le nom. Toi, tu en as combien? Bon, il ne s'agit pas de moi aujourd'hui. C'est toi donc, qui voilà, comme c'est de moi, il s'agit là, je préfère les eux n'ont rien à voir. Est-ce que ce n'est pas un petit syndicat que vous êtes en train de faire entre toi et puis c'est les dix? C'est les dix, il a eu 5 et puis après, il est parti faire avec José là. Non. Ouais, c'est pas ça, c'est pas un petit syndicat. Le syndicat des 2-5. Non. 5 et 2. Non, ce n'est pas les syndicats, les déchets. Oui, ce n'est pas dans les syndicats. Non. Bon, moi, si Dieu me donne, je prends toujours, si Dieu me donne des enfants, je prends parce que chez nous, en Afrique, franchement, c'est aujourd'hui qu'on dit père de famille. En Afrique, c'était des chefs de famille. Et les parents avaient beaucoup d'enfants. Et aujourd'hui, à force de vouloir peut-être limiter le nombre d'enfants, on voit qu'aujourd'hui, là, beaucoup de nos jeunes sont en train de mourir dans les hôpitaux pour les avortements. Parce que quand il dit non, je suis enceinte de toi, tout de suite c'est autre chose. Non, ce n'est pas prêt. Donc il te dit tout de suite, tiens, va faire avortement. Il fait avortement là, il reste là-bas, il est mort. Or, devant la loi de Dieu, ce n'est pas bon. Ouais. Il n'a pas demandé à venir. Contre l'avortement, c'est ça? Oui, moi je suis contre l'avortement. Parce que si moi m'avais avorté, je ne serais pas là. Mais dis-moi, on va passer à un autre sujet. Tu avais coupé des cheveux entre temps. Oui, je n'aime pas me coiffer. Mais je voulais, comme j'ai mes enfants qui me demandaient, bon, on t'a jamais vu coiffer pour leur faire plaisir, ce sont mes enfants. Donc j'ai fait ça, mais je n'aime pas me coiffer. Mais tu as repris, là. Ouais, bon, j'ai laissé ça pousser. Ouais, tu as resté parce que tu avais bien coupé. Ouais. Mais là, apparemment, c'est revenu encore. Oui, ça vient. Je ne l'appelle pas, il vient. Partout où je vais, il s'en va. Mais dis-moi, avec ton look aujourd'hui, hein, ouais. Boukari, on t'essaie très sérieux. Ouais. Mais derrière ce look caché des dreadlocks, tout ça, ouais. Tout le monde sait que bon, derrière, il y a le rastafarisme, il y a Bob Marley, il y a Diaglory. Bon, ouais. Après aussi, il y a drogue. Ouais. Il t'a dit souvent de te droguer? Non, chose bizarre, c'est que je ne fume pas. L'alcool, ce n'est pas mon vice. Okay. Et voilà. Tu n'as jamais touché un joint? Non, jamais. Jamais. Non. Mais qu'est-ce que tu prends pour t'inspirer? Non. Koutoukou, belette, soin, Non, je ne prends pas d'alcool. Non, je ne prends pas d'alcool. Donc, autre chose, l'inspiration? L'inspiration, je veux dire, d'abord, il faut aimer ce que tu fais. D'accord. Quand tu aimes ce que tu fais, ça vient naturellement. Donc, j'aime ce que je fais et je prends du plaisir à le faire. D'accord. Donc, tu n'as pas besoin de t'inspirer parce que faire l'humour, c'est écrire des tests. Il faut s'inspirer de beaucoup de choses. Tu écris un test dont tu ne vas pas toujours passer ton temps à boire ou bien à prendre la drogue. La drogue ne va pas t'inspirer. Puisque c'est devant, enfin, toi, tu as consommé la chose, mais là, c'est toi qu'on voit. On ne voit pas la chose que tu as consommée. Donc, mais est-ce que dans le milieu, tu connais certains qui se droguent souvent dans le milieu? Tu peux dire le nom, hein? Non, ça fait rien. Non, je ne connais pas. Je sais qu'il fume, mais dit que prendre drogue, là, je n'ai pas encore vu. Enfin, il ne va pas se mettre devant tout le monde pour faire ça, même s'il fait. Ah ouais. Donc, Mais alors, Boukari, dis-nous, aujourd'hui, hein, voici une question que je vais te poser. Mm-hmm. Aujourd'hui, on a l'impression que les web humoristes ont un peu pris le dessus par rapport à vous, bon, parce qu'ils sont beaucoup plus actifs sur la toile et la toile est beaucoup plus regardée et tout ça. Quand toi, tu vois ça, quel est ton regard sur cette manière de... Non, moi, je les encourage hein, parce que je dis, c'est un travail, c'est mieux que zéro. Okay. C'est mieux que les stèles et puis mendier. J'aime pas les gens qui m'aident. Tu ne trouves pas question de vous damer le pion aussi? Non, pas du tout. Moi, ici, dans ça là, peut-être que tu. Peut-être, c'est, moi, je te vis, je te connais. Moi, j'ai commencé depuis. Normalement, j'ai pris véritablement mon envol en 98. Oui. J'ai fait Dimanche Passion. Dimanche Passion. J'ai fait Sacré Soirée. J'ai fait Notre Dimanche. J'ai fait beaucoup aujourd'hui. L'humour est venu. Donc, nous tous, on est devenus humoristes. Et moi, j'ai fait La Planche. J'ai fait beaucoup de choses. D'accord. Mais cela ne veut pas dire que je suis dépassé. Il faut toujours être d'actualité. Il faut travailler. Seul le travail paye. Bien donc, c'est un autre créneau. Ben, c'est parce que je sais que dans ce que je suis là, ça me nourrit. Donc, je n'ai pas besoin de me disperser. Mm-hmm. Parce que aussi là-haut, il faut savoir faire la part des choses. Mm-hmm. Dans la ville, il y a des couturiers, il y a les toclos, il y a les tailleurs, et puis il y a les stylistes. Ils n'ont pas les mêmes plis. Voilà. Donc, et c'est différent. Parce que le web, il mourisse là. Il y en a beaucoup, il y en a beaucoup qui font les scènes. Mais il y en a, quand tu les mets au devant d'une scène, c'est difficile. Or, là, tout de suite, je suis comédien du quartier, ok.
Pour nous, là, on a appris les déplacements scéniques. Il y a beaucoup de choses qu'on a appris. Bien sûr. Tu vois, donc, on a aussi, il y a les colons aussi, souvent, c'est vrai que tu peux apprendre, mais il y a aussi la pratique, c'est l'état. C'est l'état. Okay? Donc, les colons te disent, non, ce que tu as appris là-bas, là, ça, c'est théorie, mais la pratique, là, c'est différent. Donc, tout ça, il faut apprendre. Donc, on ne se lève pas qui veut comme ça pour dire que je suis comédien et puis voir devenir humoriste. Tu peux avoir le talent en toi et puis voilà, faire quelque chose. Mais savoir la pratiquer, ça fait des. C'est ça comme fait... les journalistes. Moi, je ne veux pas faire ce que vous faites là. Mais tu animes. Tu animes. Je suis un comédien, oui. Je peux porter plusieurs robes. Mm-hmm. Mais dire que c'est mon travail, vraiment. C'est pas ton travail. Ok, bon. Ouais. C'est comme dans un film, on peut me dire, Boukalé, viens, tu vas imiter le rôle. Tu vas imiter, interpréter le rôle d'animateur. Oui, c'est mon travail, j'ai appris ça. Je vais le faire. Et bien le faire même. Mais en parlant de ça, hein, par exemple, Tionul, tu sais, quand tu parles d'animateur, hein, bon, aujourd'hui, c'est vrai, tu es animateur. Mais en même temps... Qui, quand... moi ou bien... Non, toi. Moi. Tu animes une émission. Ouais. Ben voilà, bien sûr. Yes, I'm doing it. Donc, allez là. Allez là, tu es notre collègue aussi, hein. On est ensemble. Voilà. On va se baiser ici. Bon, voilà. Donc, c'est pour ça que tu as dit, on va se laisser. Donc, on se causait entre collègues. Ouais, collègue. Bon, aujourd'hui, tu es notre collègue. Hein? Ouais. Ta manière d'animer est beaucoup critiquée sur la toile, tu le sais. Non, c'était... Oui, c'était, non, c'était. Mais jusqu'à présent, il y a encore des spéculations. Ah ouais? Oui, parce que les gens disent que ton côté humour prend le dessus sur ton côté animation. Ouais. Qu'est-ce que tu en dis? Mais comment tu vis ça? Moi, en tout cas, ça me fait plaisir. Franchement, ça me fait plaisir. Quand tu fais un boulot, qu'aucune personne ne s'intéresse à ce que tu fais, ah, où tu dors là, il faut essayer de changer. Il faut essayer de revoir ta manière de faire les choses. Mais quand tu fais un travail que tout le monde est dedans, c'est que déjà, ils s'intéressent à ce que tu fais. Et la critique, c'est important. Il faut critiquer les choses et pour améliorer les choses, tu vois. Pour faire quoi? Améliorer. Voilà. Améliorer. Améliorer. Ceux la connaissent à quoi? Améliorer. Pour faire ça bien. Bon, voilà. Faire ça bien, voilà. Boukari, artiste humoriste. Donc, moi cette scène-là, la scène m'a contacté. C'est pas qu'ils ont fait casting. C'est la scène qui t'a contacté. La scène de télévision m'a appelé pour dire, à Boukaro, on a besoin de ce que tu fais là. Pour la scène, viens, tu vas animer notre... on a une rubrique que tu vas animer sur la scène. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Si on avait dit ces casques qu'ils nous ont fait, bon, moi j'ai dit que ceux qui critiquent là, c'est parce qu'il a vu, il sait que je rentre dans ces cadres-là. Donc, ils m'ont fait appel et je suis venu, c'est ce qu'il veut là. J'ai fait, au pire... C'est ce qu'il a donné. Voilà, et même là, ils ont commencé à publier ça, ils ont vu. Donc, aujourd'hui, là, les gens regardent, ceux qui aiment mon travail là, ils viennent, ils regardent. Ils ne voient pas forcément l'animateur professionnel qui est là derrière. Mais ils voient leur artiste qui est en train de faire quelque chose qui les concerne. Okay. Tu vois, donc, qui mieux que cette scène-là peut défendre la langue française? Et même, c'est une scène française. Donc, si ils ont fouillé jusqu'à... Et puis, ils disent, c'est l'île que nous vivons là. T'as dit quoi? On n'a pas dit que c'est une langue ivoirienne qui est en train de... Mais c'est la langue française. Si nos langues sont en train de disparaître. On ne parle pas de ça. On ne parle même pas notre langue à l'école. On ne parle pas de ça. Mais c'est la langue déjà là qu'on va venir dire que non, qu'il est... La langue de Molière. Qu'il va venir dire que non, il est en train de mal parler ça. Mais je pense que c'est une perte de temps. C'est vrai que vous, les animateurs professionnels, vous auriez vouloir faire ça. Revenons un peu à l'humour. Donc, revenons un peu à l'humour. Voilà, hein. Donc... Sans ce volet-là... On a quand même tu as chauffé les choses, hein. On va me sauver. Et puis, ce qui m'a plu, c'est que c'est un doyen. Ne veut pas le même. C'est qu'il connaît le budget. Quand il a dit, c'est bon. Et beaucoup sont partis cesser. C'est quelle émission que vous avez fait? Et puis, on parle de ça partout. Donc, quand ils sont partis cesser, ils ont vu, ils sont réussis. Ça a fait monter la curiosité, les attirés, ils sont réussis. Ça a monté la corde. Jusqu'à aujourd'hui, vous parlez de ça. Ça monte la corde. Ça monte la corde, On a compris ton propos, Boukari. Tu as déjà fait un spectacle au Palais de la Culture. Oui. Tu as gbé le palais. Oui, comme on l'a dit. Par la grâce de Dieu. Ouais. Mais il y a une chose que moi, je n'arrive pas à comprendre. Oui. Quand vous faites vos one-man shows, là, mais pourquoi vous n'arrivez pas à faire ça seul? C'est comme si vous faisiez du remplissage. C'est-à-dire que
On dirait qu'il n'y a pas de contenu dans ce que vous voulez faire passer comme un texte. Voilà. Vous appelez en fait, beaucoup d'artistes, beaucoup, ils viennent chacun pour 10 minutes, 20 hein, minutes. 20 minutes, bon, normalement c'est un one-man show. Normalement, le one-man show, oui, tu es seul. On dirait que c'est beaucoup man show. Hein. Tu es seul sur le plateau et puis tu fais ton show pendant deux heures. En Europe, c'est comme ça. Le one-man show. Tu en sais quelque chose. Oui. Donc pourquoi en Afrique, en Côte d'Ivoire, principalement. En Afrique, bon, tu sais, en Afrique, là, on dit, si c'est chez nous en Afrique, là, quand tu arrives dans la maison de quelqu'un, tout chute. La première des choses qu'il te fait, c'est quoi? De toi à moi. Quand tu arrives chez quelqu'un, la première des choses qu'il te fait, c'est quoi? Tu donnes à boire, il t'accueille. À boire. D'accord. Il pouvait dire que tu es quitté chez toi à la maison, tu as bu. Pourquoi je vais te donner à boire? L'eau, c'est, même quand tu vois dans les restaurants, là, l'eau que tu vas commander, il y en a beaucoup, mais tu payes. Voilà, donc on est en Afrique. Et quand tu as la possibilité de tirer quelqu'un vers le haut avec toi, donne-lui la science, donne-lui l'occasion de pouvoir s'exprimer. Mm-hmm. Sinon, tu es seul sur la scène. Moi, j'ai fait un spectacle, moi seul, j'ai fait 2h30. Okay. Mon premier one-man show, c'est là on a dit que... Mais les gens sont restés jusqu'à la fin. Ils sont pas... Enfin, le spectacle est fini, les gens se demandent. On leur a dit, allez-y à la maison, votre argent est fini, vous avez eu même bonus, tout. Mm-hmm. Ils sont restés, ils ont applaudi. Non, en fait, Boukari, tu n'as pas bien compris la question. Si, je dis, j'ai déjà fait one-man show, voilà, moi seul. Oui, je veux dire. Quand on dit one-man show, oui, c'est ce que j'ai ou bien dit. Tu dis spectacle de je vous explique. Boukari. Ouais, on est d'accord, explique. Tout le monde vient. Explique-nous aujourd'hui. Voilà. Dans les 1h30 des spectacles, tu peux... Enfin, c'est même chose comme les chanteurs le font. Ton ami vient monter, il vient te soutenir. Il vient te soutenir, mais tu ne perds pas le fil de ton spectacle. Okay. Il vient, il faut qu'il s'adapte au spectacle. Est-ce que tu as une équipe qui t'entoure, qui travaille les textes? Oui, j'ai des scripts, j'ai tout. Franchement, à moi seul, je ne peux pas faire. Là où j'essaie d'arriver, là, moi seul, je ne peux rien faire. Je ne peux pas prendre le rendez-vous, je ne peux rien faire. Moi seul. Si je dois faire ça, je serai dispersé. J'écris toi-même tes textes? Oui, j'écris les textes et quand je suis inspiré, si je ne peux pas, j'appelle et puis quand je suis inspiré. Qui tu appelles? J'appelle mon script, il écrit. C'est ça. Puis après, tu donnes les idées générales et puis voilà. D'accord. Alors, mais Boukari, dis-nous, oui. Tu as tourné dans ma famille? Oui, j'ai tourné dans ma famille, ouais. Ah, quel était ton salaire à l'époque? Ou bien tu étais payé à 25 000 comme à moi aussi? À 25 000? Non. C'est un contrat qu'on a signé. D'accord. Et moi, ils m'ont demandé ce que je voulais, j'ai dit. Tu touches au moins combien comme ça? Non, c'est pas bon. Mais comment c'est pas bon? Non, c'est pas bon. C'est attiré sur toi là, c'est pas bon. C'est un salaire. On n'expose pas les salaires. Non, c'est pas une question d'exposition. C'est parce que auparavant il y a des antécédents. Non, ça c'est. Moi, je n'ai pas eu d'antécédents. Sur le salaire? Non. C'est ton salaire. Donc c'est Delta, toi, Delta t'a bien payé. C'est que j'ai demandé. Vous êtes bien entendu. Tu avais joué à la rue Princesse, que le Louba qui t'avait mis sur la scène, ouais, il a bloqué ton argent. Ouais. C'était combien? C'est le travaillement qu'ils ont fait sur toi. Bon, en fait, c'est un travaillement. Il a ramassé la matière. Et puis le Louba ne pouvait rien dire. Ouais, il a mis la zine. Il n'a pas de force, il ne pouvait pas te défendre. Mais pas demander, c'est ton agent qui a travaillé, lui, pas prendre la sueur de ton front. Ah, mais si il a senti qu'on avait deux fronts sur scène. Je ne veux pas la dire que donne-moi l'argent. Non, je ne veux pas le dire ça. Il faut laisser. Il a permis, enfin, c'était le conseil de Mewé. Okay. Voilà. Donc, moi, je suis monté. Normalement, tu n'es pas programmé. Les gens aimaient. Moi, le plus important, c'était ça. Si les gens ont adoré ce que j'ai fait, non, c'est waouh. Et puis, je descends tranquillement. Quand j'ai essayé de demander, grand frère, mon argent là, quand il a dit si tu n'es pas quitté. Il t'a mis 100. Comment dire? Il a dit, ouais. Si tu n'es pas quitté. Je suis parti. Plus qu'au départ, même, les gens n'ont pas cru en moi. Okay. Et ils ne voulaient même pas me laisser même. Il ne voulait pas me laisser. J'ai dit, il faut voir. Il dit, bon, comme la scène va commencer, l'animateur est descendu, il faut prendre le micro. Il m'a dit, viens. Parce que lui m'avait déjà vu quelque part. Donc, il m'a dit, viens, prends le micro, il faut faire quelque chose. Donc, j'ai fait les parodies de musique, j'ai fait les sketchs que je devais faire. J'ai fait, quand je suis descendu, les gens ont tellement aimé. Ça innovait, au fait, dans l'humour. Donc, ils m'ont donné, fait le travail. Il a ramassé. Mais sans savoir qu'ils avaient dormi à la rue là-bas. J'avais dormi à la rue. Je suis quitté loin pour venir, j'ai dormi là et puis j'ai fait les shows. Et puis voilà. Après, je me suis dit. Aujourd'hui, tu as grandi, il n'y a pas de problème, tout va bien. Ouais. Les travaillements qui ramassent sont égaux. Oui, non. Il ne peut plus s'ingérer. Non, il me demande est-ce qu'on peut promener avec toi. Derrière tout ça, c'est vrai. Aujourd'hui, nous avons un homme devant nous. Boukari, bien habillé, un homme accompli, je dirais. Mais je sens que les débuts, il y a eu beaucoup. Vraiment. Je sens que les débuts, il y a eu, Boukari, tu peux me donner une anecdote, un truc qui t'a marqué ou... Ah, il y a beaucoup de... Non, un truc qui t'a vraiment, marqué. Dans tes débuts,
Ou c'était vraiment chaud? Qu'est-ce qui c'est un truc? Ou c'était chaud? Comment j'ai dit ça? On dit non, c'est parce que tu es réussi que tu racontes n'importe quoi. Ah, c'est pas n'importe quoi. Ma vie, là, je vais le tourner un film pour montrer l'exemple aux gens. Je ne dis pas que j'ai réussi. Je n'ai pas réussi parce que avoir le succès et réussir, ça fait deux choses. Voilà. Quand tu as réussi, tu vis bien de tout ce que tu as fait. Même tu dors tranquillement, tu n'as plus besoin d'écrire, les idées ne te viennent plus. C'est ton argent maintenant qui travaille pour toi. Ça, il a réussi dans ce qu'il fait. Mais ça, ce que nous avons maintenant là, ça, c'est le succès. On a du succès, les fans partout. Tu ne peux pas te voir, mais fais attention. Donc, avant d'arriver au succès là, enfin, j'ai dit, une fois même, on était parti à la RTI même. Ou quand je dis j'ai marché, parce que je m'amuse, mon grand frère est là, il peut peut-être témoigner. J'ai marché, je vais à la RTI, l'émission se faisait, c'était sacrée soirée. Vendredi à 22h, on finit de faire l'émission et il faut payer les transports pour te retenir. Bon, moi j'ai fait l'émission, on finit, bon, les gens pensaient que j'avais l'argent sur moi. Non, je n'ai pas l'argent sur moi. Donc, il fait tard. Je ne peux pas retourner à 22h, minuit, 1h du matin, là, marcher pour aller jusqu'à Gonzagueville. Non, ce n'est pas possible. Donc, je dors au restaurant de la RTI, là, et le matin, il n'y a rien. Il n'y a rien, là, il faut te retenir à la maison. Je frotte le bus, puis hop. Les contrôleurs ne t'ont pas attrapé. Il ne peut pas m'attraper. C'est Dieu qui est avec moi. Il ne peut pas m'attraper. Dieu, mais c'est qu'il est sincère dans son fraude. Là. Il est sincère. Il ne peut pas te laisser m'attraper. Voilà, donc il est avec moi. Quand je suis arrivé à 13 000, dès que ça fait c'est mon coin. Voilà, tu as terminé le reste. Donc, on a terminé le reste. Bon, en fait, c'est des petites choses qu'on raconte en souriant, mais c'est le parcours d'un combattant. Quand tu veux réussir, non, on n'est pas riche. On n'est pas riche, on devient riche. Voilà, donc comme on dit là, il faut créer son avenir, il faut te donner les moyens de vivre tes rêves. Donne-toi les moyens de vivre tes rêves, mais ne rêve pas ta vie. Donc, si je comprends bien, tu n'as pas réussi. Non, on n'a pas encore réussi. On n'a pas encore réussi. C'est le succès. C'est le succès pour l'instant. Oui, une réussite là, c'est quand tu n'es plus dans ce que tu fais. Là. Quand tu n'es plus dans ce que tu fais. Tu n'es plus dedans, tu vis tranquille. Tu es tranquille quand là. Quand tu n'es plus dans Jassa, quand tu n'es plus dans Ed Masson. Non. Quand tu n'es plus dans. Ça, c'est haute étape. Éponge, voilà. Quand tu n'es plus dans tout ça. Ça, c'est haute étape. Et aujourd'hui, que tu es dans un autre. On t'a vu rouler dans une grosse voiture, là. Non. Ça, t'as vu, tu as débarqué un gros fait. Le blé, c'est bon maintenant? Tout va bien? Non, ça va. On ne commande plus pour vivre. Tu ne commandes plus. Voilà, on ne commande pas pour vivre. Mais qui commande alors? Non, enfin, c'est quand tu n'as pas confiance en toi. Que tu commandes. Parce que le père d'Alo a dit que ce n'est pas lui qui rampe. Hein. Qui rampe hein. Non, moi je ne rampe pas. Toi, tu rampes pas? Je ne rampe pas. J'ai écrit des tests, mes tests me permettent de manger. Je travaille, je bosse. Donc toi, tu ne peux jamais ramper. Non, je ne rampe pas. Non, je ne rampe pas. Je ne peux pas me diminuer. Si le roi 12-12 vient vers toi, bon. Il est déjà venu vers moi. Le roi 12-12. Tu n'as pas bougé. Même là, je suis réussi par le président de la Guinée, Conakry. Par rapport à ce que j'ai fait, j'ai des fans. Tu es en haut, maintenant. Voilà, j'ai été reçu par plusieurs chefs d'État. Par rapport à ce que j'ai fait, ils aiment mon travail, ce sont mes fans. Donc, je ne peux pas. Là, la même, je pourrais dire que c'est les chefs de l'État, j'ai rempli même, me coucher même, soulever poussière pour qu'ils sachent. Non. Mais c'est mon travail. Ils aiment mon travail. Peut-être le roi. Comment on appelle 12-12. Non, comment on appelle le père d'Aloi. Le père d'Aloi. Bon, c'est son travail, peut-être, qu'il fait. C'est ce qu'il a mouru. Déramper. C'est son travail. C'est ce qu'il a mouru. C'est ce qu'il a mouru. Donc, c'est son travail. Il y en a, on dit, c'est danse classique. Moi, si je fais comme ça, il a se manger dedans. Toi, dis quoi? Donc, dans ça, si les gars sont dix pains. Moi, je ne me vois pas en train de ramper. Non, je ne me vois pas en train de ramper parce que déjà, bon. Mais tu es artiste chanteur ou bien tu chantes à tes heures perdues? Non, pas mes heures perdues. Je le fais en plein temps. En plein temps. Tu fais carrière dans la chanson? J'ai fait déjà carrière dedans. Donc on t'appelle souvent pour des spectacles, tu chantes pour chant. Non. Pour l'instant, tu chantes quoi? Je chante tout. Tout ce que tu me donnes, je fais. Voilà, je chante. Tout ce qu'on te donne, tu fais. Oui, je fais. Mais tu as dit, normalement, on t'entend parler, si les chanteurs, les humoristes et tout ça. Donc normalement, en termes de droits d'auteur au Buruda, c'est qu'ils touchent beaucoup d'argent. Tu touches quoi au Buruda? Non, ça dépend de ton travail. Quel travail tu as fait? Combien tu t'es produit, il y a tout seul aussi. Donc, c'est en fonction de ça, on fait les Mais est-ce que le Buruda te révèle tes ressources? Oui. Chaque fois. Tu es content, ça va pour toi? Pour toi, ça va? Non, ça va. Je ne vais pas dire que ça ne va pas. Déjà, c'est des efforts fournis. Mais les efforts, donc c'est qu'on te donne beaucoup d'argent. Hein? Non, pas beaucoup. Il ne faut pas voir l'aspect. C'est déjà. On est combien d'artistes en Côte d'Ivoire? Et si parmi tous ceux-là, on m'appelle, on se rappelle de moi, on dit, ah, vous, chrétien. Ah, donc toi, on t'appelle même pour que tu viennes prendre l'argent?
On va t'appeler que si ton nom est là-bas, tu sais, on va regarder là-bas. On va sinon, nous, on est là depuis nous. C'est au tableau. Non, il faut produire. Quand il produit. Non, on produit. Donc, si tu produis, c'est que ton nom est là-bas. Oui, mais non, pas quand il dit on t'appelle. Donc, c'est que là-bas, il y a la complaisance. Alors, vous, c'est entre vous. Quand tu vas avoir un groupe là-bas, vous connaissez, vous appelez vous là-bas pour prendre l'argent. Est-ce que tu mets une fois vie là-bas? Ah, mais tu dis on t'appelle. Quand on dit on m'appelle là, il y a la liste de noms qui est là. Quand tu viens regarder là, ton nom est là-bas. Donc, tu vas partir là-bas pour aller regarder. Oui, il faut regarder. Mais les gens de la salle, c'est bon, on ne va pas là-bas pour regarder. Ah, ils font quoi? Et tu es assis chez toi là-bas, on fait ton vidéo chaque mois. Mais c'est même chose. Où ça? À Bilija, là, c'est même chose. Ils ont demandé, comment on appelle ça? Mon RIB. Ils t'ont envoyé là-bas? Oui, on envoie. Tu as un compte en France, non? Partout où je vais. Bon, donc, quand c'est peu. Ah, donc, je fais. Moukari, tous les artistes de Côte d'Ivoire nous regardent. On dirait qu'il y a la favoritisme de l'autre côté, là, non, dans le coin là-bas. Non, jamais. Moi, personnellement, on m'a dit. Envoyez vos RIB, tous les comédiens là, je sais qu'ils ont appelé, envoyez vos RIB, tous ceux qui ont la carte du Bilija même là, envoyez vos RIB banquettes, et chaque fois on te fait ton virement, même si c'est 5 francs, c'est ce que ton travail t'a payé. Prends ça, contente-toi de ça. Tu vois, si tu produis, si tu fais plusieurs spectacles, on passe partout pour la masse, puisque les masses payent, les CD qui l'entendent, tout le monde paye, même les portables ou même musique, tout le monde paye. Donc si tu sais que tu produis, Foissier, tu vas gagner quelque chose. Alors, que l'homme là, il va nous fatiguer. Non, il ne va pas nous fatiguer, il dit la vérité. Bon, il dit la vérité. Oui, il dit la vérité. Boukari. Oui, j'ai joué. Tu joues. J'ai joué de dire la vérité. Boukari, on sait que tu as l'art de la réplique instinctive. La preuve, hein, tu amasses beaucoup de trophées, de lauriers un peu partout, tout ça, machin. Mais aujourd'hui, avec la nouvelle génération qui est en train de monter, là, tu veux parler des magnifiques, toutes les bandes à Galawal. Ils sont des vieux. Ils sont devenus chauves, Ils sont devenus chauves. Ouais, hein? Votre groupe là. Ouais. Ouais. Est-ce que tu sens que tu es le meilleur de tous? Non, c'est vous qui dites. Sinon, moi, je ne peux pas. Enfin, si je dis que je suis meilleur, c'est d'insulter les autres. C'est qu'ils ne travaillent pas. Faut, voilà, parce que. Oui, mais ils peuvent travailler et puis tu peux être le meilleur. C'est toujours un premier dernier classe. Ben, une classe, c'est une classe. Hein. Voilà, dans une classe, il y a premier à dernier. Tout le monde travaille. Tout le monde prend son bic. Et c'est le maître qui dit que Lila. Mais qui est le maître alors dans cette situation? Qui est le maître? C'est vous. Okay. C'est vous le public qui dites que. On te décerne beaucoup de prix. Donc c'est que c'est vous. Ils entendent. Bon, si, donc tu es le meilleur. Si vous le dites, moi j'accepte. Non, quand tu reçois le prix. Donc pour toi, qui est le GOAT du milieu humoriste aujourd'hui? Du milieu humoriste, il y a beaucoup. Je ne vais pas citer. Le GOAT, quand le GOAT, c'est le numéro 1. Le patron. Le numéro 1. Le number one. Celui qui arrive à la pole du maître. Voilà, pas match. Qui fait l'unanimité. L'unanimité, enfin, pour nous là, c'est compliqué. Tu vois, c'est compliqué. Tu travailles, il faut vraiment maîtriser ta scène. Il y a des moments où tu es fatigué. Pas parce que ce que tu viens de donner là, ou bien ce que tu viens de dire là, c'est nul. Mais tu es fatigué. Tu es fatigué, voilà. Tu ne donnes pas le meilleur de toi-même. Et donc, on, les gens vont tout de suite. Parce qu'ils veulent. Est-ce qu'ils sont derrière, ils ne voient pas ça comme ça. Ils vont dire non, lui là, c'est fini, il est tombé. Mais il y a des moments. Où tu es vraiment inspiré. Il y en a qu'on n'attend plus. Hein. Oui, voilà, c'est. Abbas et autres, tout ça. Non, il travaille, il fait d'autres choses. Aujourd'hui, Abbas, il est producteur, il fait des films, ouais, il fait beaucoup de choses. Donc, pas parce que tu ne le vois pas là aujourd'hui que tu vas penser qu'il est tombé. Non, il n'est pas fini. C'est le meilleur métier même du monde. Tu peux faire jusqu'à à ton dernier jour, on a besoin de toi pour camper un rôle. Donc, il n'y a pas d'âge pour ça. Il n'y a pas d'âge. Même quand tu es vieux, on a besoin d'un vieux dans un film. Tu connais Yves Duro? Oui, je connais Yves Duro. Ah, ok. Comment tu trouves sa manière de faire son humour? C'est ce que j'ai dit là. Il est dans son registre. C'est comme moi. On va demander peut-être à quelqu'un, comment tu trouves l'humour de Boukele? Il va te dire, non, c'est. Enfin, pourquoi il ne parle pas bon français? Donc, moi, ça me plaît pas. Demain, chacun a sa manière et chacun a son public. Dieu merci, c'est le même public là encore qu'on se retrouve. Mais dans le milieu, est-ce qu'il y a quelqu'un avec qui tu ne t'entends pas? Non, je m'entends avec tout le monde. Toi, tu es d'accord avec tout le monde? Tout le monde. Tout le monde est d'accord avec toi aussi? Je ne sais pas, mais tout le monde, quand on se voit. Tu ne vas pas dire que tu sais que tout le monde est d'accord avec toi. Non, je veux dire, moi, je suis d'accord avec tout le monde. Mais tu ne sais pas. Que d'autres peuvent te jalouser dans le secret. Tu ne sais pas. Tu ne connais pas ce que pensent les autres. Comme on dit, la pensée du cœur. Voilà, comme on dit, tu peux mettre ton enfant au monde, mais tu ne mets pas son cœur au monde. Ben oui. Voilà, donc tu ne sais pas. Toi, tu. Peut-être on aurait voulu lui donner une bonne éducation, mais quand il arrive dehors, il y a ce qu'il fait. Toi, mais ça ne te suit pas. Non, mais ce n'est pas mon enfant qui a fait ça. Donc, moi, mes amis et moi, quand on se voit, on est en parfaite collaboration. Alors, vous, Michel, il est qui pour toi? Yeah, il ne faut pas dire ça encore. C'est mon papa. Il faut le laisser. Il faut laisser vieux là où il est. Ça, il veut voir quelque chose. Alors, c'est mon papa. Dis-nous. Omega David. Gohou, je sais que.
Gourou t'a beaucoup porté. Et quand c'est ton papa, je le sais. C'est pour ça que je demande aujourd'hui. Bientôt, il est au Folie Bergère. Il fait son one-man show là-bas. Tu es invité là-bas. Oui, je suis sur la liste. De toute façon, tu es déjà allé à Paris. Spectacle, je me souviens. Bonjour. Tu as fait bonjour là-bas, sur Paris? Non, je n'ai pas fait bonjour. Tu n'as pas fait bonjour sur Paris? Non, je n'ai pas fait bonjour à Paris. J'ai fait des spectacles, mais pas bonjour à Paris. C'est vrai que j'ai eu le visa, mais je ne suis pas parti. Tu n'as pas été copté? Si, bien sûr. Moi, j'ai été copté. Mais tu n'es pas là où payer ton billet au parti? Non, ce n'est pas moi qui paye. Même tous les déplacements, c'est pas moi. Je suis devenu chef d'entreprise. Donc, si moi, je dois partir là, tu mets les moyens. Voilà. Les conditions, enfin, il y a Anissé qui est là. C'est Anissé, il discute les conditions. Bien sûr, si tu es prêt pour payer, bon, on s'en va. Si tu n'es pas prêt, je ne vais pas crier là-bas. HOS, j'ai mon argent 6 mois. Anissé, tu as pris l'argent. Tu n'as pas pris l'argent. Est-ce que tu connais Jamel Debbouze? Jamel? Oui, je connais Jamel. Je connais pas, on n'a pas de, comment on appelle ça, liaison proche. Tu sais qu'il y a un festival à Marrakech. Marrakech, oui. Pourquoi tu n'es jamais y allé? Pourquoi je ne suis jamais y allé? Ça coïncide avec mes programmes. Bon, ça coïncide beaucoup. Mais est-ce qu'ils t'ont déjà invité même? Bien sûr, même dans les débuts même, on m'a invité. D'accord. Dans les débuts, la première, il y a le vieux, c'est Guy Defay qui gérait. Donc, il m'a appelé, ah mon petit, tel jour, on doit être à Marrakech pour telle date. Moi, j'ai dit, moi, je veux être honnête, franchement, parce que, je ne veux pas que dans le milieu là, mon nom, c'est vrai, mon nom est déjà gâté, peut-être, je ne sais pas. Mais je ne veux pas que ça se salisse encore. Parce que tu ne veux pas prendre des engagements avec quelqu'un et puis les doubler. S'il n'y a pas de témoignage en témoignage, ça, le public qui t'a, même public qui t'a mis au chômage, là, c'est le même encore qui va te laisser. Bien sûr. Donc bien sûr, il faut essayer d'être correct de temps en temps là. Alors quand ça coïncide comme ça, il dit non, c'est non. Alors Boukari, question de fait de société. Dis-nous. Quel est ton avis sur l'avènement des femmes battantes qui vont à Dubaï pour faire des achats et elles reviennent en Côte d'Ivoire sans marchandises, comme les Dossiers Yahoo, les Carmen et autres? Quel est ton avis sur les femmes battantes? Non, si tu dis déjà qu'elles sont battantes, peut-être qu'elles vont là-bas pour d'autres affaires que nous tous on ignore, que toi-même tu ignores. Si tu poses la question, c'est que c'est parce que tu ignores ce qu'elles vont faire. Mais elles vont pour faire leurs affaires. Si elles reviennent avec les gains de ce qu'elles... C'est comme toi. Ce n'est pas tous tes business que tu fais, tu étales. Bien sûr. Voilà, mieux vaut vivre caché que de vivre exposé. Donc, tu penses qu'elles ont d'autres business cachés? Oui, c'est enfin, tu dis des femmes battantes. Elles se battent pour vivre. Moi-même, là, je suis un battant. Mais à ton avis, je me suis battu aujourd'hui. Là. Hein? Non, tout business, c'est battre. Enfin, c'est pas se battre, donner coup de poing. Enfin, où tu sens que tu te sens à l'aise dans un business, tu restes dedans. Si tu ne te sens pas dedans, on ne va pas t'attacher dedans. Là, vous faites ça, c'est votre business. C'est parce que là, c'est exposé, on a les caméras branchées. Mais il y en a qui se battent en 4 murs aussi. Hein? Oui, c'est le business. C'est pas la blague. Hein? C'est business. Hey, dans 4 murs, il y en a qui vont laver Cham, il y en a qui vont laver les Antoinette, il y en a qui vont laver Dura. Mais il faut que ça soit bien payé. Ça, tu t'es bâti pour avoir ça. Tu vois, non, c'est comme ici, là, nos mamans, elles se battent, elles pouvaient laisser à la maison, se contenter. Alors, vous laissez nos mamans à faire des salaires. Non, mais tu as dit les femmes. Ce n'est pas des femmes. Les non, mamans, non, non, vous laissez nos mamans. Tu les vois dans la rue en train de balayer sur le chaud soleil, là. Elles sont en train de se battre pour amener quelque chose à la maison. Peut-être que, comme tu dis, les Adouachi Wao, là, avec les caramènes, tout ça, là, on ne les voit pas. Adouachi Wao, là, tu ne les vois pas. Mais caramènes, là, tu ne les vois pas. Mais ils se battent. Moi, je me suis battu aujourd'hui, c'est un bon bâtard. Toi, mais tu te bats. Donc, si tu les vois, tu les crois, tu peux te battre elle aussi. Non, si ce n'est pas mon milieu, si je ne me sens pas dedans, dans cette bataille-là, je ne fais pas. On fait ce qu'on aime. C'est-à-dire que mon milieu où j'ai dedans, c'est parce que j'adore ça. J'aime ça. Et depuis les bases, depuis l'école, ça, même si je te dis qu'on me frappait tous les jours à l'école pour la comédie, là. Avant c'était comédien, on me frappait à l'école. Bah, tu jouais trop la comédie. Les maîtres même se réunissaient et puis on dit, appelez petit comédien la carte. Quel est ton avis sur la légalisation de la polygamie? Les gens en parlent depuis. Moi, je n'ai pas d'avis parce que c'est quelque chose qui existe depuis il y a longtemps. Belle lurette, il y a longtemps. J'ai trompé ta femme. Moi, ce que tu veux dire, quoi. Moi, comme je ne suis pas marié, je vais tromper femme. Tes enfants te le font avec qui alors? Je le fais avec femme, non. Tu dis ma femme, quand, c'est légal quand tu es allé signer, mais à la place bon, bon, okay, donc, si je comprends bien, si c'est pas ta femme, que c'est ta copine, tu peux tromper. Tu peux tromper. Si c'est pas ta. Non, pourquoi tu vas la tromper? Non, mais c'est la même chose aussi. Non, moi je ne trompe pas. Dis que tu as trompé femme. Non. Tromper ta tu femme. Tu te trompes, quoi. Non, je ne me trompe pas. Ça ne va pas, ok, on laisse tomber. Si quelqu'un avec toi, tu t'entends, on le prend. C'est une vie qu'on reprend. Mais dis que tu vas aller le tromper. Si, enfin, parce qu'on dit que on s'est vu, on s'est aimé, on est en train de mener un chemin ensemble. Maintenant, arriver sur le chemin, là, si tu vois que là, c'est quoi on est en train de faire là, ça ne t'arrange pas là, il faut le laisser.
faut le laisser, c'est pas grave. Parce que, regarde, moi aujourd'hui, on voit beaucoup d'enfants. C'est pour moi, on voit. Ok, mais toi, tu as me dit quoi? Tu as combien? De toi à moi, tu as combien? C'est de toi qu'il choisit aujourd'hui. Oui, je sais, mais de toi à moi. Ça, c'est... Si tu veux, la caméra ne te regarde pas. Non, mais non, c'est pas de toi à lui. Attention, devant la caméra, quand tu dis de toi à lui. Tu as vu? Le nom de ses enfants. Bien sûr, oui. C'est pas du gel. Donc, tu vois, moi, pour moi, là, on a vu. Maintenant, il y en a là qui se baladent beaucoup avec. Enfin, non, c'est juste qu'on va s'amuser. Quel amusement? Tu as fait. On dit, tu quitteras ton père et ta mère, vous attacherez avec une femme, tous deux, vous allez former une seule chair. En ce moment-là, vous êtes ensemble. Bon, tu te dis que c'est pour prendre juste du plaisir. Ok, mais tu es parti. Et les fruits, là? Tu vois, les jeter ça dans les atonettes. C'est beaucoup d'enfants qui sont en train de les jeter dans les atonettes. Mais pour moi, on voit. Mais pour tout à l'heure, tu as donné un verset biblique. Uh-huh. Quelle est ta confession religieuse? Moi, j'adore Dieu. J'aime okay. Dieu. C'est ma passion, c'est Dieu, quoi. C'est Dieu, c'est... Parce que bon, donc, je n'ai rien débouché pour être là où je suis. Si donc, tu n'es jamais allé voir un féticheur pour avoir du succès? Non. Parce qu'on a dit que dans tes cheveux, là, c'est ton... On dit à un moment que tu as fait tes cheveux, là, c'est pas... Il y a une base dedans. Non. On ne peut pas dire ça. Tu as laissé repousser. On ne peut pas dire ça. Parce que je suis né d'une famille chrétienne. Ma maman, même, il est pasteur. Donc, je suis dedans. Tu es dedans. Nous, là, c'est la prière. Il faut manger la prière. Regarde, il dit, demande, et vous recevrez. C'est parce qu'on demande mal. Demande. C'est comme toi et moi, on parle. Je te vois, donc je suis en train de parler, non? Mais derrière là, il y a un divin, il y a une divinité. Toujours. Donc il faut parler. Mets-toi de côté et puis parle avec lui sincèrement. Que ça vient du fond de ton cœur. Quand ça vient du fond de ton cœur, il n'y a rien à faire. Quand ça vient du fond de ton cœur, toi-même tu es convaincu, tu crois. Et ça va se réaliser. Il n'y a rien à faire. Est-ce qu'on va voir un jour Boukari Pasteur? Tout dépend, moi, ma vie ne m'appartient pas. C'est un appel de Dieu, c'est ça? Tout dépend de lui. Si Dieu dit aujourd'hui là, mon ami, j'étais beaucoup béni, viens me servir, je vais. Mon ami, ce que tu as fait là, laisse tomber, viens me servir, je vais. Parce que, on voit, regarde, tout cela, tu ne sais pas là-même, peut-être que c'était un cimetière de quelqu'un, tu ne sais pas. Parce qu'on est venu trouver là, il y a eu des c'est hommes ça. Avant nous. Mm-hmm. Tu ne sais même pas, lui qui est parti, il est devenu quoi après? Et après nous, il y aura encore des hommes. Même peut-être la maison, tu vas venir trouver ici, un jour, arbre à pousser ici. Oh, il y a eu trois mois ici dans ce coin. Donc là, tout ce que Dieu fait est bon. Boukari, voilà. Quels sont tes projets? Mes projets, il y en a tellement. Je prépare mon one-man show. Ah, ça, bon. C'est moi. Le vrai, quoi. Pas one beaucoup show, hein. Mon one-man show ou okay. Mon soutenance en français. Ta thèse. Voilà. Donc, c'est une thèse. C'est une thèse. La comédie. Le professeur Boukari. Le professeur de français. Ah, ça. Non, mais là, tu n'es pas prêt. C'est ce qu'il fait, il cherche même si c'est qu'on dit celui là, il prend, il fabrique ça encore. Voilà, le projet Boukari. Donc, dis-moi, donc, c'est un projet phare. Oui. Voilà, c'est le 10 décembre, au palais des congrès de l'Hôtel Ivoire. Okay. Et donc, c'est déjà là. Le professeur Boukari. Voilà, au palais des congrès de l'Hôtel Ivoire, parce que j'ai fait la dernière fois, vous-même, vous avez vu que c'était vraiment plein à craquer, mais la pluie a empêché mes fans de s'amuser comme ils le souhaitaient. Mais quand bien même qu'il y avait la pluie, ils sont restés et on a fait un beau spectacle. Et cette fois-ci, je veux vraiment les honorer. Et puis pour ma soutenance, j'ai une soutenance. Ce n'est pas un petit spectacle. Voilà, donc on ne peut pas faire... Attends, tu dois soutenir le français. Le français, voilà. Vous parlez en français. En français. Oui. Moi, je parle dans le français. Dans le français. Attends, ok, nous, on parle en français. Nous, on parle en français. Lui, il parle dans le français. Alors, Théodule, nous, on te connaît en tant qu'improviseur. Faut improviser une blague tout de suite en voix. Une blague. Oui, on peut improviser tout de suite. Là. Un petit truc pour nous, là, vite fait. Pour vous. Oui, pour nous. Vous deux. Nous deux. Oui, nous deux. Anjé. Qui appelle qui? C'est mon manager, il va signer avec vous. Avec nous, tu as laissé chaud, hein. Tu es dans business maintenant. Voilà. Même là, tu fais business. Je vends mon image. Ah, c'est déjà. Regarde tous ces années derrière moi. Non, c'est déjà une bonne improvisation. J'ai entendu dire qu'à partir de ton spectacle, les fonds que tu vas recueillir, c'est pour. Je le fais tous les jours même. Je le fais tous les jours parce que je viens de loin. Je viens de loin. Donc, quand quelqu'un souffre là. Ça me fait que tu veux construire un hôpital. Oui, je veux faire beaucoup de choses. Ton souhait. Oui, ça, c'est Adam même parce que... Ah, ça me bigarre. Il y a des gens, moi, j'ai vu un enfant mourir sous mes yeux. Si on était venu avant, 15 minutes avant, je pense qu'on pouvait faire quelque chose pour une poste d'essence. Sans la même maintenant, il n'y en a plus. Mais l'enfant est décédé pour un manque de moyens, 15 000 francs. Il est décédé. 15 000 francs. On vient, les parents sont en larmes. Non, c'est pas possible. Mais après, l'hôpital a donné ses raisons parce qu'il y avait manque de sang. Maintenant, s'il faut avoir là, il faut aller payer.
pour venir. S'il y avait ici, je dis qu'ils allaient faire, mais il n'y en a pas. Et les gens aujourd'hui ne donnent pas beaucoup de sang. Et ça aussi, c'est un autre problème. Ouais. Et la banque de sang est vide. C'est tu donnes ton sang souvent? Oui, je donne. Oui, je donne. La dernière fois que tu as donné, c'était quand? Et ça va faire six mois que j'ai donné ça. Que tu as donné? Mmh. Okay. Mais comme je n'ai pas beaucoup de temps là. Donc sinon, quand je paye, moi, si je parle de ça, c'est vide vraiment. Il y a des gens qui mettent place même des cailloux. Ils sont les veilles, ils attendent. Donc, lance un appel. Ouais. Hein? Quel appel tu peux lancer? Pour ça, parce que ça, c'est la vie de tout un chacun. Ça peut t'arriver. Ce qui arrive à l'autre, là, ça peut arriver à l'autre, n'importe qui. À quel moment on a besoin vraiment urgemment de ce sang-là qui va sauver la vie de quelqu'un. Donc, si tu peux, va donner ton sang. C'est eux là-bas qui vont, franchement, il y a des gens qui disent non, nous on a quatre, il ne faut pas regarder ça. Parce que ça vient du fond de ton cœur. Donne pour sauver une vie. Ne regarde pas ce que les privilèges qu'on va te faire, mais va sauver une vie. Quand tu peux, il faut le donner. Tu vas monter, ou même le congélateur comme ça, c'est vide. Il n'y en a pas. Et aujourd'hui là, avec beaucoup de maladies que nous vivons, beaucoup que nous-mêmes nous avons créées, et donc, dès que ton corps sauve net, ton sang finit. Il faut avoir. Il n'y en a pas. On fait comment? Alors, Boukari, quel conseil tu peux donner aux jeunes filles qui cherchent à refaire leurs fesses, leurs seins pour mieux plaire aux hommes? Non, moi, je n'accepte pas ça parce que je ne peux pas. Enfin, c'est comme moi aussi. Peut-être que j'ai un défaut. Je vais aller le faire. Non, Dieu sait pourquoi il t'a créé comme ça. Il t'a fait à son image. Ne dis pas à Dieu que... Bon, je ne juge pas ce qu'ils sont en train de faire. Moi, je vois toujours le côté... Mais je suis moi, je n'ai rien de fait 6 mois. À part, même les cheveux, je les laisse, c'est naturel, ils poussent. Ils vont me dire, mais est-ce que tu ne te coiffes pas, tu ne te rases pas? Pourquoi tu ne laisses pas ton bouche comme ça, il y a beaucoup de barbe? Oui, je nettoie un peu. Mais aller dire à Dieu que tu as fait une erreur dans ma personne, non, c'est quand même... Tu es, tel que tu es là, il y a forcément... quelqu'un qui va t'apprécier comme ça. Maintenant, si tu veux plaire à tout le monde, là, maintenant, tu es en train de donc, te vendre. Donc, tu penses que quand celles qui refont leurs seins et leurs fesses, c'est plus... c'est une société, en fait. Oui, c'est séduit tout le monde. C'est séduit tout le monde. Donc, parce que quand passe, il y a beaucoup de regards. Et dans ça, il y en a qui vont les appeler. OK, tu m'appelles, tu payes cash. Ou bien, même si je ne te donne pas, mais quand même, là, je vais... C'est du genre pour les faire, ça m'a coûté cher, donc il faut que tu... Voilà, je vais te soutirer l'argent. Même si elle dit qu'elle ne se livre pas, mais quand même, les rendez-vous, tout cela, il va payer ton transport, il va te donner à manger, il va te faire ça, faire ça, faire ça. Est-ce que toi, tu as déjà donné de l'argent à Ingo? Donner de l'argent? À Ingo, comme ça, pour qu'il... Non. 200 000, 300 000. Non, je ne fais pas ça, franchement, je ne fais pas ça. Tu n'as jamais fait ça? Mon éducation ne me permet pas de faire ça. Je viens d'une famille, vraiment, je sais d'où je viens. Donc, je ne peux pas prendre comme ça, l'argent comme ça, donner. Si tu as problème et que je vérifie vraiment, je prends, je paye. Parce que tu vas lui donner. Et puis, comment elle va gérer, ça fait deux. Demain encore, elle va venir. Si tu me dis que Boukari, moi, je veux faire ça, je te prends. Allons, je paye. Tiens, va faire ce que tu veux. Au moins, j'ai payé. Tu vois, mais je te donne l'argent parce qu'il y en a beaucoup aujourd'hui qui mentent. Même, il y en a même tellement, les vrais hommes qui ont des problèmes, tu ne peux pas les aider. Donc, tu doutes même. Donc, je vais pour ne pas que. En fait, tu ne sais pas à quel moment ça va arriver. Donc, on va en faire. D'accord. On mais dis que je vais te prendre. On va faire une passe. Et puis, non. Ah, on va non. Laisser ce volet. Et puis, en plus, même, je ne suis pas dans un milieu où on a besoin de ça, forcément. OK. Voilà. Dans ce milieu-là, on ne te drague pas. Hein? On ne te drague pas. Au milieu de l'humour. Les femmes, tous les jours. Tous les jours, on te drague. Ils vont t'envoyer mes. Tu ne cèdes pas. Non. Jamais. Non. Aujourd'hui, là, il y a une chose. Comment organiser l'avenir de mes enfants? Les enfants. C'est ta priorité. Voilà. Comment organiser l'avenir de mes enfants? Je me bats pour ça. Mais dis, je me bats parce que je suis jeune. Et puis en plus, même, c'est même pas. Tu épuises même ton corps. Tu épuises ton corps parce que c'est toi, Boukari. Mais non. Aujourd'hui, il y a tout. Il y a les aphrodisiaques, il y a plein de choses, tout ça. Bon, je n'ai pas besoin de ça. Il faut manger seulement, c'est tout. Attends, tu manges seulement. Il faut manger seulement. Il faut manger seulement. Et puis, il faut te conserver même. Il faut te conserver, il faut te reposer. Parce que, enfin, ce n'est pas une course. Pour bien faire le travail. Bien faire quoi? Le travail. Oui, mon travail, oui, pour bien faire mon travail. Ouais. L'autre travail. L'autre travail, oui. Les papiers, tout le magnifique. Oui, si tu te reposes, en tout cas, tu as un bon répondant. On va parler un peu politique, un peu, ou bien ça te... Politique? Oui. Mais là, c'est tout ce qu'on fait, c'est oui, parmi les hommes politiques de la Côte d'Ivoire, là, tu aimes qui? Je les aime tous. Et tous. Et tu n'as pas un préféré? Il n'y a pas une préférence? Non, il y a au moins une préférence. Entre le président Alassane Ouattara, le président Laurent Gbagbo et le président Bizier. Tant que moi, je suis en paix, je peux vaquer à mes occupations, je peux gagner mon argent, manger tranquillement, on ne m'embrouille pas là.
Il n'y a pas la guerre ici, il n'y a pas Palab ici, parce que si, enfin. Mais on parle de renouvellement de la classe politique, donc tu veux que les trois là se présentent encore en 2025. Renouvellement, ils ont fait les tentatives. Non, c'est nous qui décidons, c'est nous. Non, ils peuvent décider de se placer. Ils peuvent décider. Ils se placent, oui, ouais. Mais c'est toi qui vas voter si tu ne votes pas. Ah, si tu ne vas pas voter. Bon, donc c'est toi qui vas leur donner. C'est toi qui vas leur donner. Donc parmi les trois là, s'il y a un qui se présente, il se présente, toi tu ne votes pas. Non, moi je ne vote pas. Tu ne vas pas voter. Non, je ne vote pas. Donc tu ne veux pas qu'il soit là alors. Non, parce pas que là, pas, oui, mais oui. Quand tu es voté ou tu n'es pas voté ou forcer quelqu'un sera là. Donc moi je dis seulement qu'on a qu'à être tranquille. Donc ce qu'on peut retenir, c'est que si les trois là se présentent, toi Boukari, tu ne votes pas. Non, je ne vote pas. Voilà. Donc Boukari veut dire par là qu'il faut renouveler la classe politique. Donc s'il y a une nouvelle génération politique, voilà. Là, tu votes. Voilà, je vais voter, je vais voter. Mais tu vois qui? Toi tu vois qui? Hein? Dans ce milieu-là, tu vois dans qui ce milieu tu t'intéresses pas à la politique. Il n'a pas venu d'abord. Les Jean-Luc Dion. Tu vois, voilà, c'est ouais, signalé. Pourquoi pas ouais. Du Togo. Mais pourquoi pas? Quels sont tes rapports avec les hommes politiques? Oui, en tout cas, comme j'ai dit là. Tu vas dans leur bureau souvent, de temps en temps. À la maison, fait les one-man show là-bas un peu. Bien. Oui, m'invite, beaucoup m'invite ouais. À la cérémonie. Beaucoup sont mes fans. Les donc, cachets sont forts. Les cachets, je ne regarde pas les cachets. Ma satisfaction, c'est les plaisirs qu'ils gagnent là. S'il a vraiment aimé, tu peux prendre un fort cachet et puis on ne t'invite plus. Tu vois, c'est fini, c'est mort, c'est parce fini. Parce que le travail n'a pas été bien fait. Le travail n'a pas été bien fait. Ils n'ont pas aimé, mais tu as pris de l'argent, tu penses que c'est fini. Oh, tu finis de bouffer, demain il faut venir encore. Tu vois, c'est demain là. C'est pourquoi on dit, il est facile de monter, mais très difficile facile. De rester. Au sommet. Au sommet. Au sommet. Voilà, donc quand tu as même tu as mangé là, est-ce que tu es resté dans les cœurs? C'est ça, il faut essayer toujours. Donc moi, ma satisfaction, c'est s'ils ont aimé, l'argent, ce n'est pas un problème. D'accord, maintenant, on a un problème là, tu sais, entre le Mali et la Côte d'Ivoire, les 46 soldats là. Qu'est-ce que tu en dis? Bon, c'est trop fort pour moi parce que je ne sais pas comment ils sont partis. Je ne sais pas. Donc, tu ne sais pas comment ils vont revenir. Donc, voilà. Tu ne sais pas comment ils doivent revenir. Voilà, bah, même si je dis ça, c'est. Mais tu veux qu'ils reviennent? Oui, ton souhait. Je veux que l'Afrique soit en paix. Parce que attends, Bougali, attends. Bougali, toi, tu ne sais pas comment ils sont partis? Non, je ne sais pas. Avion, ils ont plus parti? Oui, mais avant de quitter, prendre avion, comment ils sont partis? Moi, je ne sais pas. Comment ils sont arrivés là? Moi, je ne sais pas. Et puis, je leur dis quoi? Tout ce que je veux, que l'Afrique soit en paix. Il y a des Maliens qui ont marié des Ivoiriens. Il y a des Ivoiriens qui ont marié des Maliennes. Oh, regarde, on n'a même pas intérêt. On n'a même pas intérêt même. Ouais. Il n'y en a même pas intérêt. Il y a des Maliens ici qui emploient des Ivoiriens. Il y a des Ivoiriens qui emploient des Maliens. On n'a même pas intérêt. Regarde, quand je te dis là, c'est la même culture. Mais quelle est la méthode qu'il faut employer pour régler cette affaire-là? La méthode qu'il faut employer, la c'est le dialogue. Tout est parti par la parole. On dit depuis les dialogues, ça va. Ça c'est qui ne dialogue pas bien. Dialogue pas bien. Est-ce qu'on t'envoie? Tu peux être un émissaire pour dialoguer? Tout de suite. Si toi, avec l'humour, tu vas régler ça dépend, je règle beaucoup de choses dans l'humour. Avec l'humour, tu règles. Oui, si je règle des problèmes de fond. Parce que si Boukari dit, il ne sait pas comment ils sont partis, peut-être c'est ça qui est le vrai problème. Donc il veut savoir d'abord. Je ne sais même pas savoir comment ils sont partis, comment ils sont arrivés. Je ne sais pas savoir tout cela. Seulement de trouver. Regarde, on dit, tout part de la parole. La vie et la mort se trouvent au bout ou dans le pouvoir de la langue. Donc tout part de là. C'est de dire seulement, regarde là, on dit, il ne faut pas dire des mots grossiers. Dis à quelqu'un, tu dis chien imbécile, même si ce n'est pas pourquoi tu as dit, tout de suite ça change son humeur. Mais dis-lui bonjour avec un sourire, comment vous allez? Il voit dedans, le bonjour déjà, c'est le respecter. Et comment tu l'as, vous voyez, comment vous allez? Avec respect, il va te répondre. Et même il va venir, il va tourner son regard vers toi et même te répondre. Toi-même, tu es content. Mais si tu viens, hé, bonjour, toi là. Ou bien, oh, Boukali. Ah, je ne suis pas ton, quand même. Je suis quand même une personne. C'est quand même un homme. Il y a mon ego quand même. Donc, il ne faut pas fouetter mon orgueil quand même. Même si je suis un. Donc, il y a la manière de parler avec quelqu'un. Donc, tu vois, c'est tout cela. C'est le dialogue. Rien dans le monde même. Que, on dit la Russie avec l'Ukraine, on commençait par là. C'est la parole qui a commencé et puis la main est venue. Que toi et moi, on se prend, si c'est pour toi, et puis on fait fou. C'est la parole. C'est la parole. Tout part de la parole. Pour vivre dans ce monde, c'est la parole. Il faut savoir parler, c'est tout. Voilà. Alors, Boukari, notre émission va bientôt tirer. Pourquoi? Je n'ai même pas encore parlé. Alors, on va te demander ton mot de fin et surtout de lancer l'appel pour ton one man show bientôt. Pas beaucoup man show, hein. One man show. Voilà. Alors, voilà. Comme le professeur Boukari. Voilà, il y a que tu as commencé à faire. Boukari, attends, dis le sujet là. Le sujet, même, ça me fatigue. Tu dis donc que nous, on parle en français. Toi, tu vas parler dans le français. Vous parlez en français. Moi, je parle dans le français. Voilà. C'est dedans que moi, je viens parler. À l'intérieur du français. Voici la caméra, Boukari.
Voilà. Alors, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, comme je vous dors, franchement, moi, je vous dors. Parce que c'est grâce à vous aujourd'hui que j'ai ce que j'ai aujourd'hui là. Pour vous dire merci. Merci pour tout ce que vous avez fait pour moi. Depuis cette année et aujourd'hui, je vous invite tous. Tous. Je n'ai pas pesé sur les moyens. Je dis tous, je vous invite au palais des congrès de l'Hôtel Ivoire. Pour mon One Man Show, le 10 décembre, la rivière au bord de l'eau. Je viens faire mon soutenance là-bas. Le soutenance du professeur Boukele, que vous aimez tous. Et donc, je vous invite, en tout cas, l'entrée est libre. Du professeur en français. Hein? Oui, le professeur en français. Dans le français. Dans le français. Donc, voilà. Donc, vous venez. L'entrée est libre. Il y a un seul mot de passe. Un seul mot de passe. Tu composes ton mot de passe. Voilà. 50 000. Tu viens, on va chercher. C'est le mot de passe. Voilà, c'est le mot de passe. C'est le mot de passe. L'entrée est gratuite. Voilà, l'entrée est libre. Ça, c'est ton code, ça. Voilà. Chaque fois, l'entrée est libre. Mais le mot de passe. Donne un mot de passe. On te demande, donne les 50 000 passes. C'est le mot de passe. Le mot de passe, alors, ouais. Merci à tous ceux qui nous suivent dans les quatre coins du monde. Ouais. Merci, merci. Ouais. Alors, aujourd'hui, c'était Fafa avec Boukari. Continuez de partager. Continuez ceux qui apprécient sur la mettez toile. Les quais, sur les voilà, mettez les quais, mettez les quais. La télé attaquée, mettez les quais. Big up à tous ceux qui nous soutiennent depuis votre position. Vous ne pouvez pas parler comme les autres. Personne ne risque, moi. Je ne suis pas risqué quelqu'un. Personne ne me donne. Vous me donnez. C'est ça qu'il s'agit. Voilà. Voilà, merci, merci. Donc, c'était l'émission Fafa, on s'est léché. Alors, big up à Franck Mian, le jeune industriel, big up à Kangala le berger, big up à Ange Bleu le cultivateur, big up à la grande famille parisienne. Merci à tous ceux qui nous soutiennent dans tous les quatre coins du monde, le TDG Pierrot. Merci, merci. Et surtout, sortez toujours couverts, comme j'ai pour habitude de vous le dire. Voilà. Priez surtout, priez beaucoup, la priez parole beaucoup, sauve, parce que la parole sauve, la parole détruit, comme le dit Boukari. Priez. Et ce que tu veux là, c'est toi-même qui peux te dire, voilà. Je veux ça, ça arrive. Et ça arrive. Envoie à l'existence ce qui n'existait pas pour c'est toi. Tout. C'est pourquoi j'ai dit une seule chose, il faut te donner les moyens de vivre tes rêves, mais ne te donne pas les moyens de rêver ta vie. C'est possible, tu vas rêver ta vie, mais il faut venir les vivre. Voilà. Le temps est le maître de la raison. Voilà. Restez connectés, à bon attendeur. Salut. Salut. Voilà. Au revoir. Au revoir.